Allô, gamin. Qu'est-ce que tu veux? Stéphane, alors, ça fait quoi de perdre tous ses proches? Je sais pas, je te retourne la question. Comment ça? Non, laisse tomber. T'appelles pour qu'on se tape dessus? Parce que si c'est ça, j'ai plus envie. Tant mieux, tant mieux. Je t'appelle pour te proposer un marché. Encore? Mais qu'est-ce que t'as avec ça? Tu penses à quoi? Oh, un truc du genre... Tu vois, Pierre, que j'avais dit que j'allais tuer. Bah en fait, je l'ai pas encore fait. Je voudrais que tu sois là au moment où je le descends. Je veux voir la détresse d'un homme qui voit son meilleur ami aider son meilleur ennemi à le descendre. Je veux le briser mentalement sur sa dernière seconde de vie. Tu me suis? De toute façon, plus rien n'a d'importance, alors j'arrive. Ça va? Tu te sens pas trop mal? Si, ça fait mal, oui. Je comprends, je comprends. Je vais honorer ma part du contrat maintenant. Je te parie que... Tiens, connard, tu crois que j'avais pas compris que t'avais buté Sophie? Et tiens, passeport! Je veux la tête de Pierre. Tu veux son ADN pour faire des pilules? Tu me donnes les pilules contre toi. Je les lui donne et le combat sera équitable. Pas de pouvoir. Bon, c'est bien. Non mais il y a des gens, je vous jure, c'est n'importe quoi. Ta gueule. Je déteste les gosses. Tiens. Repose en paix, mon ami. Stéphane. Mais... Désolé. J'attrape la balle, elle meurt et tout ira bien. Je vois que tu m'attendais. Ça se termine ici, gamin. Je ne peux pas te laisser continuer. Continuer quoi? Déclencher une guerre? Non. Ça, c'était son idée, pas la mienne. Moi, j'aime juste appuyer sur des petits boutons rouges. La limace était déjà tordue, mais alors toi, tu en tiens un grand. Attends, on va faire un truc. On va jouer à un jeu. Ok. On va se foutre sur la gueule, toi et moi. Et si tu gagnes? J'appuie pas. On fait ça? Ça marche.
Je pense que les pilules ne font plus effet, hein. Ah, tant mieux, j'ai envie de dire. Ça voudra dire que je me suis pas entraîné pour rien. Entraîné ? Pff ! À quoi ça sert ? J'arrête le temps. Bah, figure-toi que maintenant tu n'es plus le seul à le défier. Pardon ? Mais comment ? Comment est-ce possible ? Me déplacer aussi vite dans cet espace me fatigue énormément. Mais j'y arrive. Et même si tu es plus rapide, maintenant que les pilules sont finies, moi aussi, je peux jouer. Spectacle. Ah ouais, pas mal. Illusion ? Et encore, t'as pas tout vu. T'as plus rien. Tu me prenais pour qui, hein ? Je vais te faire danser, moi. Au début du combat, je n'ai pas pris la pilule. Je viens juste de la prendre. Je suis désolé. Ça veut dire que depuis le début du combat, tu l'avais en bouche. Joli coup. Pas mal. Il serait fier de toi, tu sais. Il t'aimait bien. Ouais, mais j'étais pas là. Ouais, tu n'étais pas là à la fin, mais tu nous as suivis tout le temps. C'est ce qui compte. Ouais, peut-être. Bon, comment ça se passe avec Britney ? Ah, tu sais, elle m'a quitté, hein. Ah ? Depuis la prise d'otage, elle a pris peur de moi. Mais c'est pas grave. Tu sais, avec mon pouvoir, j'ai compris que c'était un super plan drague. Ah. Je veux bien te croire. Et sinon, avec la feuille, maintenant qu'elle n'existe plus... Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah. Je pense prendre quelques vacances au soleil. Ça va me faire du bien. Avant de retourner bosser. Travailler ? Mm-hmm. Il te reste 20 ans à vivre ? 20 ans... Tu sais, quand on adore quelque chose... on ne peut pas s'empêcher de continuer, hein. Vive la science, quoi. Allez. Vu que ça, c'est terminé... On va pouvoir reprendre une vie normale. Ah, je suis pas mécontent que ce soit terminé. Tu m'étonnes. Je parie que même si je perds, je mourrai pas.